Salut à tous, en complément de la mise en ligne de notre preview de Titanfall que nous avons pu découvrir il y a quelques jours à Londres, nous avons envie de vous faire découvrir la manette Titanfall qui sortira en même temps que le jeu. Vous le savez, c'est le 13 mars 2014, dans un mois à peu près. Donc voilà, la manette sera donc en même temps que le jeu disponible. Je crois qu'elle sera vendue à peu près au même prix qu'une manette classique, c'est-à-dire 60 euros. Voilà, nous avons reçu la manette il y a quelques jours également et on a envie de vous faire découvrir l'objet, l'accessoire en direct à travers un unboxing, vous savez, le fameux déballage hein, qui fait fureur sur Internet. Donc voilà, donc on a la manette, on vous la présente dans son boîtier d'origine, Titanfall. Voilà, avec son look assez classe. On va l'ouvrir, j'ai un petit cutter, c'est parti. Voilà, alors attention, on le découvre en même temps que vous. La fameuse manette bien installée dans son carton. Voilà, avec un petit logo là en relief Xbox One qui est plutôt sympathique au toucher. Donc on va récupérer la manette. Ah, il y a deux piles qui sont fournies avec, ce qui est plutôt pas mal. Ça, c'est bien pensé. Alors attendez, on va vérifier ce qu'il y a en dessous avant de nous attaquer à la manette. Bon, on a les petits fascicules, les petits fameux modes d'emploi, bon, qui ne nous serviront pas à grand-chose cette fois-ci. Donc la manette telle qu'elle est, elle est ici, vous le voyez, avec son look plutôt classe, plutôt futuriste, avec un mélange de trois couleurs, le blanc, le noir, le orange. Donc voilà, qui est plutôt dans l'esprit du jeu, qui est donc un FPS futuriste où des soldats s'affrontent avec des robots géants, ces fameux mechas. Donc c'est une manette qui est vraiment dans ce thème-là, donc c'est plutôt sympathique. Je vous la montre sous toutes les coutures. Vous voyez. Donc avec des petites références certainement en jeu, hein. On n'a pas encore le jeu, on l'a pas reçu, donc on ne peut pas vous le dire. Donc assez classique, mais plutôt classe. Et puis donc on a la manette originale, si on compare les deux, vous le voyez tout de suite, on sent tout de suite un petit peu la différence, hein. Celle-ci évidemment se distingue de l'autre. Également au niveau du toucher, la manette originale a un toucher un peu plus brut, un peu plus mat en fait, alors que celle-ci est un peu plus doux, ce qui est pas plus mal aussi. Donc voilà, vous le voyez très bien, là, les deux manettes qui sont l'une par-dessus l'autre. Voilà, donc le jeu sortira le 13 mars 2014, la manette aussi. On va ranger tout ça tranquillement. Hop. Je vais remettre ça correctement. Les piles. La manette. On referme tout. Et voilà. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao.